Barbier. Oui, il a encore gagné. Alors là, ça m'énerve. Moi aussi, je m'en occupe. Monsieur Fédé. Alors, Philo, ça marche. Vous avez de la chance. La chance. Non. C'est le système des ordres relatifs. Ah, évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est le système des aurores relatives. Il délire, monsieur Derrick. Il délire. C'est la fièvre. Qu'est-ce du jeu? À mon avis, il triche. Triche. 25. Pourquoi le 25, là? Pourquoi le 25? Il a joué le 25? Oui, il a joué le 25. Eh ben... Il a perdu. Pourquoi il a perdu? Mais c'est le système des probabilités. Rien n'a plus. Ça, c'est évident. 25 coups, je ne verrai pas. Pour le 25. Pour le 25. Pour le plein. À gagner gros, hein? On commence. C'est pour nous trois que je fais ça. Pour nous trois? Merci. Oh, mais il fallait pas, mon petit filou. Je savais bien que je pouvais compter sur cette vieille amitié qui est la nôtre, hein? Ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? 10 ans? 12 ans? 6 mois. 6 mois, déjà? Le temps passe. Oui, c'est dans ces cas-là qu'on est content d'avoir de vrais amis, hein? Bon, vous savez, monsieur le directeur, le 13e mois, les congés payés. Je vous renvoie l'ascenseur. Ah, mais c'est normal, mais c'est sympathique, n'est-ce pas, Barbier? Hein? Les mains, Barbier? T'es-t-il? Les mains, lavez les mains. Ah, oui. Oui, merci, Barbier. Dites-moi, le prochain numéro gagnant, c'est quoi? Le 17. Le 17? Ça va, je crois pas. Ça suffit, ça? Non, je crois pas. Voilà, le 17. 17. Le 16. Comment, le 16? Je crois pas. Le 16, rouge et mort. Vous avez perdu. Pas de chance, monsieur Chabot. Vous avez perdu. Personnel. Messieurs, désolé, le casino ferme. La banque a sauté. Oh. Bravo, monsieur le directeur, vous jouez bien. Un petit coup de chance. Bien, Barbier, vous m'aidez? Bien sûr, monsieur le directeur, bien sûr. Allez. Voilà. Allez. Oh. Au secours! Ah, vous n'avez pas eu beaucoup de chance ce soir, hein? Laissez une petite occasion pour m'en refaire. Ce serait volontiers, mais je vois pas très bien comment. Je sais pas, moi, un petit peu. Dans un endroit discret. Chez le ferrailleur. Mais c'est pas interdit, ça? Enfin, entre gens du monde. C'est-à-dire? Et on prend le chef d'étape comme arbitre, ça va? Barbier. De chambre. Ouais. 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 Ouais, allons-y. Attendez, je vais vous aider, monsieur. Non, je vous en prie, mon gars. Ne vous tracassez pas, ça va. Mais puisqu'il vous dit que ça va, laissez-le tranquille. Je laisse. Moi, je peux vous aider. Non, ça va aussi. Bon. Merci. Bonsoir, monsieur. Ah, monsieur. Et bonne soirée, hein. Et du couleur. Roland d'âge possible. La couleur se confirme. Le carré d'âge. Tiens, cloche possible. Attends, il en dernière carte cachée. Parole à monsieur. Mais il se concentre, ah, il se concentre. C'est pas le moment de craquer. Il se concentre. Mais allô, commissaire Plantier? Paul à l'appareil. Oui, Paul, le caissier du casino. Dites,
Dites-moi, si ça intéresse la brigade des jeux, j'ai une grosse partie pour vous, là. Un très très gros, il y a 400 millions sur la table. Carré d'As. Quelle floche possible. Dernière carte cachée. La parole est à Monsieur Chabot. Vous pensez à ma petite commission? Comme d'habitude. 50 briques. Tapis. Monsieur Chabot a raison. La hauteur du tapis est exactement de 350 millions de centimes. Bluff. C'est pas possible. J'ai rarement eu la mauvaise foi comme ça. Et si je perds, je paye. Là-bas, retournez là, votre carte, tenez. Vas-y, retourne ta carte. Allez, vas-y, retourne. Quinte flush. Tu fais pas un peu. Oh les mecs, il y a eu Maldon tout à l'heure. C'est mon carré d'As qui gagne. Comment? C'est une plaisanterie. Non, 7,65. Monsieur Chabot, entre gentlemen. Ta gueule, toi. Vous voulez parler correctement à Monsieur Chabot, vous, le gagnant? Remarquez, vu sous un certain angle, il a pas grand-chose, hein, Barbier. Hein? Ah ben non, bah bien sûr. Ben non, ah, ça y est, ça me revient maintenant. Oui, vous avez raison. Le carré d'As bat la quinte flush. Bien sûr, le carré d'As gagne tout. Bien sûr, c'est pas une quinte de tout. Oui, monsieur. Vous savez, mais... Eh, les trois marioles. Si vous me balancez au poulet. Pardon? Je vous flingue. Non, monsieur Chabot, nous sommes entre gentlemen. Bon, le larbin. Vous jouez bien, monsieur Chabot, vous jouez bien. J'aime beaucoup la façon dont vous jouez. Vous jouez finement. Et la fin était superbe. Oui, très, très, très superbe, très le cas. Allez, on se casse. Vous ne prenez pas la Monsieur Chabot, vous avez oublié des quelques. Voilà. Merci, monsieur Chabot. Allez, vous prenez pas un fin joueur. C'est un fin joueur. Non, c'est un jeu de chance. Des fois, on perd. Oui, quatre couleurs, là. Une couleur. Pas de chance aujourd'hui. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Trois otages. Deux otages, ça nous suffit. Ah, écoutez, ce qui vient de dire est assez odieux, mais finalement, c'est assez juste. Et puis après tout, un otage suffira amplement, n'est-ce pas, Barbier? Mais nous avons raison, monsieur le directeur. Je savais bien que je pouvais compter sur cette vieille amitié qui est la nôtre. Hein? Comment ça, cette vieille amitié? Après tout, ça fait que 6 mois qu'on se connaît. Ah. Oui. Touchez pas à la porte ou les otages seront abattus. L'otage, Barbier, l'otage. Ah, bien sûr, l'otage sera abattu. En quelque sorte, là, on renvoie l'ascenseur à l'otage. Vous êtes très drôle, monsieur le directeur, en toute situation, n'est-ce pas? Touchez pas à la porte! La peinture est fraîche, vous risquez de vous salir.